Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le gouvernement invité à respecter ses engagements envers les centrales syndicales. La filière EVA se réunit pour mieux s'organiser. Et au cinéma, Marabout Chéri, bientôt en salle. 8 août 2022, une date gravée dans les annales des centrales syndicales dans la quête du bien-être des travailleurs de Côte d'Ivoire. 9 mois plus tard et à quelques jours de la fête du travail, Jean-Yves Abanga Koutouan, président de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, interpelle l'État de Côte d'Ivoire sur le respect de sa part du contrat. Je voudrais lancer un appel au gouvernement afin que ce gouvernement-là puisse respecter les engagements pris lors de la signature de la trêve sociale. En août 2022, il y a des dispositions qui prévoient l'opérationnalisation du Conseil consultatif de la fonction publique au plus tard le 31 mars 2023. 8 août 2022, ce jour-là, le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales de la fonction publique signent un nouveau protocole d'accord portant trêve sociale sur la période 2022-2027. Les systèmes de production et les solutions de type embarqué sont depuis plusieurs années déjà la cible de cyberattaques. Face à la multiplication de ces menaces, la cybersécurité industrielle est devenue un enjeu crucial pour les entreprises afin de préserver leur image et leur compétitivité. Ce sont toutes les informations qui ont été enseignées lors de cet atelier sur la cybersécurité qui a eu lieu à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire le mardi 26 avril autour du thème « La cybersécurité en milieu industriel ». Aujourd'hui, les réponses qu'il faut apporter face à cette attaque, premièrement, c'est de classifier, d'avoir une bonne classification des données en entreprise. Et ensuite, c'est de pouvoir utiliser des moyens de chiffrement que l'on peut trouver dans le grand public, des moyens de chiffrement qui permettent de protéger ces données de la convoitise des cybercriminels. Enfin, appliquer ce qu'on appelle la règle du moindre privilège, c'est-à-dire de réduire au strict minimum les applications, les accès auxquels se connectent les collaborateurs en milieu industriel. La cybersécurité est un sous-ensemble de la sécurité informatique. Elle vise à protéger les ressources du piratage ou des cyberattaques, c'est-à-dire des menaces provenant d'Internet ou survenant via Internet. Les membres de l'Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire à Procancy se sont réunis le mercredi 26 janvier au cours d'un conseil d'administration à Abidjan. Objectif, organiser leur intégration au sein de l'organisation interprofessionnelle agricole. La Procancy que je dirige a été exclue de façon illégale, un procédé illégal, et l'affaire a été portée devant la tutelle. Et le ministre, à juste titre d'ailleurs, a indiqué qu'il fallait nous réintégrer, pas une décision. Les administrateurs se sont réunis pour se concerter, pour adopter des résolutions et pour qu'on puisse ensemble décider l'attitude à prendre. Cette rencontre a été l'occasion de sensibiliser les producteurs d'EVA. Nous attendons cette intégration depuis longtemps et si c'est effectué, ça sera vraiment la bienvenue. Et puis nous voulons encourager tous les producteurs d'EVA d'être aussi patients, de ne pas se décourager. On sait que les choses vont s'améliorer. Il aura vraiment une bonne lueur d'espoir à l'horizon. Créée depuis 30 ans, l'Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire vise à défendre leurs intérêts, mais aussi faire en sorte que les règles internationales soient mieux comprises par eux et appliquées dans leurs plantations. Et pour finir, depuis quelques années, le cinéma ivoirien est en perpétuel essor avec des sorties de films qui racontent la vie quotidienne de nos sociétés africaines. À cet effet, l'actrice, productrice et réalisatrice ivoirienne Akady Touré a décidé de mettre en exergue le phénomène de maraboutage dans le couple. Dans ce cocktail d'humour, on la retrouve aux côtés du journaliste Cheikh Ivan. Le message que je veux faire passer à travers ce film, c'est de ne pas construire son destin à une autre. Mardi 25 avril a eu lieu l'avant-première du film au Majestic Sofitel Hôtel Ivoire. Je suis content, j'ai vraiment applaudi et j'ai applaudi vraiment, j'ai applaudi parce que j'étais très content. Voilà. Bravo pour la culture ivoirienne, bravo pour les réalisateurs et tout le monde et tous ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à ce film-là. C'était un très beau film. Déjà, j'ai aimé ce panafricanisme-là entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec Kader Gadji.
très beau film et puis les Ivoiriens doivent venir massivement au cinéma. Faudrait que nous les Ivoiriens on ait cette culture cinématographique là. Parce que vous savez, nous les acteurs, c'est vrai on tourne des films, mais s'il n'y a pas de public derrière pour nous soutenir, c'est un peu compliqué. Donc venez massivement au Majestic et puis soutenez-nous vivants. Marabout Chéri, c'est l'histoire de Rose et Richard Diallo, un couple parfait qui vit dans une somptueuse villa à Cocody, à qui tout semble réussir jusqu'au jour où un auditeur débarque dans la société de Richard pour étudier ses comptes. Au grand mot, les grands remèdes, le couple décide de remettre leur sort entre les mains d'un marabout. Réalisé par Kadi Touré et Luis Marquez, le film a vu la participation d'acteurs comme Kader Gadji, Michel Boëri, FGI et bien d'autres. Les amoureux du cinéma africain pourront se régaler à partir du 28 avril 2023 dans les salles de cinéma à Abidjan, Dakar, Ouagadougou, Douala, Libreville et Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Cette Info.